Bonjour, vous les avez certainement croisés hier, ils étaient 500 000 selon les organisations syndicales, 170 000 selon les autorités, à défiler dans toute la France contre le projet de la loi travail. Résultat, 124 interpellations, 24 policiers blessés, dont 3 grièvement. Sans surprise, Le Figaro juge et condamne les violences faites à l'encontre des forces de l'ordre. Et sans surprise pour l'humanité, le gouvernement perd son sang-froid. Le quotidien de reprocher aux forces de police d'avoir violemment et aveuglément chargé les manifestants. C'est la loi de la violence qui a primé hier, résume aujourd'hui en France. De la manifestation à la bataille rangée, cette journée de mobilisation a violemment dégénéré. Mais la faute à qui? La question reste posée. Et comme si cela ne suffisait pas, le MEDEF menace de quitter la table des discussions, refusant de négocier sur la réforme des règles de l'assurance chômage, souligne Les Échos. Du pur chantage, dénoncent les syndicats. La négociation spécifique sur le régime des intermittents du spectacle a en revanche débouché sur un projet d'accord qualifié au passage d'historique par le gouvernement. Place de la République à Paris, la situation semble inextricable au sein du mouvement Nuit Debout. Un mois après son lancement, les Nuits Debout cherchent une nouvelle forme d'organisation. Faut-il se structurer et comment, sans perdre son idéal? Ou faut-il poursuivre le débat démocratique sur la place publique? Si oui, pour en faire quoi, s'il n'aboutit pas à des actions concrètes? Tout cela étant dit, la colère reste forte, la mobilisation vive et le bras de fer continue. Alors rendez-vous le 1er mai, soit 2 jours avant que le projet de réforme du droit du travail ne soit examiné à l'Assemblée. Loin de tout ça, la Croix se penche aujourd'hui sur ces migrants prêts à risquer leur vie pour échapper à la guerre et qui sont devenus aujourd'hui la proie de passeurs sans scrupules, à l'image de trafiquants de drogue, des mafieux de ce monde. Sauf que la réalité est encore plus dure à accepter. Perdre une cargaison de drogue aurait plus de conséquences que de perdre des vies. À chacun sa cause, Franck Berton fait la une du Monde. L'avocat rompu au dossier médiatique qui défendra pour certains l'indéfendable, le terroriste Salah Abdeslam. L'occasion peut-être de mieux comprendre ces pénalistes et surtout la difficulté, tout comme la nécessité d'assister des djihadistes, en résumé d'accepter l'inacceptable. Et si le schéma gauche-droite était fini? Chiche, lance Marianne cette semaine. Sauf que la réponse est dans la question, si l'on en juge ce paquebot en train de couler que le magazine a choisi pour illustrer sa une. Et si pour certains l'idéal se cachait au sein du FN, alors je ne vous conseille pas la lecture de l'Express qui s'appuie cette semaine sur le livre de Jean-Jacques Servan-Schreiber, « Dire la vérité telle que nous la voyons » et qui démonte point par point et chiffre à l'appui que le programme du Front National conduirait purement et simplement la France au chaos. Un livre à lire sans modération. Et n'y voyez aucune transition, c'est Plantu qui conclut cette revue de presse avec toujours ce regard gravement amusant. Belle journée et bonne lecture.